Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4 pour thé, pudding and camembert. Je suis avec le Cygne Noir, salut. Hello, hello tout le monde. Et donc on se retrouve pour notre petite partie en mode tranquillou, on se développe, on fait ce qui fait bien, hein, faut, voilà, on est bien, on est bien. Tout à fait, on... Au moment où ça va péter, mais pour moi on est bien. On piétine les gens qui doivent être piétinés, voilà. On se rapproche petit à petit de la grande guerre qui finira par arriver. Ah putain, ça gueule à Paris parce qu'on les convertit. Bah on les convertit pas. On les convertit plus en tout cas. Non, je convertis plus à Paris. Pourquoi t'as l'info et pas moi d'ailleurs? Bah je sais pas, dans mes soulèvements là, j'ai conversion de Normandie et je vois que ça gueule à Paris quoi. Autant Angoumois et Saint-Onge ils s'en branlent, mais à mon avis, ils ont 11 d'agitation, ça a dû rester stacké sur... Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, bah que ça pète, hein, je les attends. Hein. Alors du coup, je vais garder un mec ici, on va aller se convertir le Northumberland, c'est parti. Et on a un colon disponible, on va donc aller l'envoyer aux Caraïbes, comme un gros connard. Est-ce que je peux... Ah merde, il y a déjà quelqu'un qui vient ici, donc on va aller à côté. Hop. Et on va virer la minorité cornique, non, la minorité galloise, non, la minorité des Highlanders, bah non, les Irlandais, bah non, les Norvégiens, ouais, les Norvégiens, on peut virer les Norvégiens, ça c'est pas un problème ça. Hop, aux Caraïbes les Norvégiens, ça leur changera de la neige. Au trou. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, mais bon. Allez, on va prendre la petite tech admin et capacité de gouvernance plus 100. Ouh, putain, ça plaise. Et on a un event, la réforme monétaire de Sir Thomas Gresham. Ouh, ça fait mal. Ouh, c'est bon ça. 1 sur la valeur fiscale brute de Londres. 3 en inflation, 1,5 en innovation, 15 points de réforme gouvernementale, et Thomas Gresham, un financier de culture anglaise et de foi anglicane, fait son apparition à la cour en plus d'impôts pour 50% moins cher. Mais oui, en plus je crois que j'ai un mec pourri là. Ah, j'ai un mec qui donne de l'agitation, hein, si c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Il est chauve en plus, est-ce qu'on le prend? Alors après, le théologien a une tonsure, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. En plus, il est catholique. Un théologien catholique qui nous aide à convertir le pays. Pour le même prix, on peut avoir un plus 3. Le plus 3. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Un moment. Bon alors par contre, du coup, l'agitation va repéter un peu, forcément. Ça joue. Mais bon, regardez ça, si on n'a pas des magnifiques francs-tireurs, là. Hein, vous avez pas envie de vous retrouver face à eux, quand même. Alors, une colonie autosuffisante. Parfait, on a donc un colon de plus, je pense qu'on va commencer à l'envoyer là-bas, jusqu'où on peut l'envoyer, excuse-moi je me pose, juste pour vérifier. Ça, par contre ce qui est bien c'est que maintenant je peux voler des cartes, alors je peux pas t'en demander à toi, mais par contre je peux en voler, alors on va essayer de voler des cartes, Bah oui ça se vaut ouais. Ah c'est marrant, on est considéré comme ayant embrassé la réforme du coup, ah oui, l'anglicanisme ça marche. Oui. Non, mais en fait, je peux pas voler de cartes, il faut que j'ai des unités pas loin, c'est vrai, c'est un peu chiant. Ça. Ah oui, exact, ouais, il y a ce truc là. Ouais. C'est un peu pourri ce truc là, ouais. Parce que je vois pas le rapport en fait, mais bon. C'est pas grave. Allez, on va aller commencer à poser des colons un peu partout où on peut là. Toi, t'es où? T'es ici. Tu dois bientôt terminer, non? Ouais, c'est bientôt fini ça. Pas de soucis. Qu'est-ce qui se passe? Aucune loi. Ah bordel, une loi, vite. Proposons une loi. Plus un colon. Oh bah écoute. J'ai envie de te dire. Ah, on peut faire une réforme des bourgs pourris. Les bourgs pourris. Ah non, tu pourras en avoir une quatrième si tu veux. Tu pourras avoir un quatrième colon avec Je pourrais avoir un quatrième colon pendant 10 ans, ouais. Si je prends cette loi. Mais j'ai aussi la possibilité de réformer les bourgs pourris. Je sais pas si tu te souviens, il y avait Calais, ouais, qui était devenu un bourg pourri là. Ah, c'est vrai ça, oui, c'est vrai. Ça me fait gagner 1 en stab, et bourg pourri cesse de faire effet à Calais. Bon, réellement, on s'en fout, hein. Bourg pourri, ça faisait quoi, déjà? Évolution mensuelle de l'autonomie, 003 en plus. Et là, on est à... Ouais, on s'en fout. Non, oh là là, aucun intérêt.
Un colon, ouais, clairement un colon. Putain, en plus c'est 80% déjà, quoi. Alors, on peut claquer du prestige, bah oui. On claque du prestige. Acheter un parlementaire, non. Buter notre superbe Grain Nimail, là. Mais non. Mais hors de question. Oh là là. Soit je la tue, soit je claque du professionnalisme, quoi. Ou alors je paye 42 ducats. Pour acheter le parlementaire londonien. Allez, on va l'acheter le londonien. On a un colon de plus. Oh oui, c'est bon ça. Qui c'est qu'on pourrait le faire chier? Est-ce qu'on se poserait pas au Brésil? Bon, ce serait peut-être un peu abusé quand même. Je peux pas encore rebondir ici. Hein. Non, pas tout de suite. Bah on va continuer de développer du coup. Donc, les grands territoires là. On va développer juste en dessous les grands territoires. Il y a encore du potentiel là. Allez hop, c'est parti. Et on peut se débarrasser des Wallons. Allez hop, la minorité wallonne de Calais là, à un moment, elle va finir par disparaître. Enfin, par disparaître. Par être gentiment boutée hors. Voilà. Redirigée vers la sortie, on dirait, comme on dirait. Allez, les caravelles dans la Manche. Je pourrais presque envoyer des bateaux. Jouer dans les colonies, mais en fait, je vais vous montrer, on est déjà très très bien. Bon, par contre, l'estimation de coût. La compagnie du Yucatan, la compagnie de la côte des Mosquitos, et on a un casus belli contre les Caraïbes. Et ouais. Et ouais, les Caraïbes, c'est à moi ici. Ah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et nous on a du coup 24% et 130 de propagation et eux ils sont à 120, 19%. Ouais, on est pas mal hein. Oh là là. Améliorer le sort du petit peuple pour 200 ducats. Bah améliorons le sort du petit peuple, allez. C'est comme ça. Le petit peuple demande, le petit peuple obtient. Blanc bonnet et bonnet blanc. Ah le fameux. N'hésite pas à mettre pause hein, quand t'as des events, parce que moi j'abuse un peu de la pause, mais... Ouais, mais ça va. Ah, mais y'a... Maître instructeur de niveau 3. Attends. Oui. Ah oui, je prends. Vas-y, j'ai un événement, il prend tout mon écran, quoi. Putain, ah oui. C'est quoi ce truc? Le soulèvement du Nord, quoi. La vache. Oh là là, la violence. Putain. La reine Elisabeth I cherche à mettre un terme au problème religieux en établissant une église protestante d'Angleterre dont elle serait la dirigeante. Mais choses commencèrent à mal tourner lorsque Marie, reine d'Écosse, dut se réfugier en Angleterre et à chaque fois catholique et prétendante au rôle d'Angleterre. Ah, le drame. Ouais, bon, il y a tout un truc là. Donc, du coup, ils se sont épousés entre eux pour régler le problème. Elisabeth a invité la meuf à Londres et l'a enfermée dans la tour. Ok, sympa. La fameuse tour de Londres. Hein. Ça. La foi catholique a survécu dans le nord, et du coup ils étaient pas contents. Le comte de Northumberland rassembla ses troupes à Richmond le 16 novembre. Les rebelles, face à une armée beaucoup plus importante que la leur, durent finalement se débander. Si George fut chargé de pacifier la raison, et le loi martiale fut déclarée. Très très bien. Ils ont exécuté plein de monde. Ensuite c'était le bordel pour les catholiques, ça partait un peu en couille. Et on peut garder Norfolk dans la tour et écraser les rebelles. Alors par contre, ça va péter. Et on a puissance des missionnaires plus 1%. Et coût de technologie plus 5 pendant 5 ans. Ouais, bah, on vient de les prendre les techs, donc c'est pas mal. Ou alors... Bien vu. On la garde dans la tour, mais on fait des pourparlers. On gagne coût de la cavalerie moins 10, il y a des gens qui se soulèvent, ça c'est de la merde. Ou alors on la libère, on perd de la stab, et notre cavalerie coûte moins cher. Bah non, on va les défoncer. La noblesse britannique, hein, non mais sérieusement, la noblesse britannique quoi. Bon, on est un peu en train de s'entraîner donc on n'a pas de morale, mais on va immédiatement aller leur expliquer que la noblesse britannique a gentiment fermé sa mouille, hein? Comme dirait un certain Arthur. La pierre empoisonnée, ah putain, il y a des gens qui... 9 chevaux sont morts d'avoir mangé des plantes empoisonnées, et eh ben c'est triste. Sûrement ça a bien pété chez toi, hein. Ah oui, bah non, mais là ça va. Enfin, ça va s'enchaîner, hein, mais.
Ah, on a terminé une mission. Attends, excuse-moi, qu'est-ce que c'est? Tous ces trucs qui s'enchaînent, c'est ouf. Lever les troupes. On a réussi à lever nos troupes, quoi. Et du coup, on obtient des revendications permanentes sur toute l'Irlande. Parfait. Je suis hyper content. Ouais, c'est bien. Et après, ça me débloque conquérir l'Écosse. Et bah, on va s'en occuper, pas de problème. Conquérir l'Irlande, bah du coup, c'est fait, hein. Les Irlandais sont mécontents pendant 15 ans et du coup ils produisent 35% de plus, c'est marrant ça. Colère irlandaise s'applique, modif de production plus 35%. Ouais, les mecs sont tellement contents que... Oh, on peut te chier, on va bosser hein. C'est trop ça quoi. Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, hein, on va plus produire pour le pays, mais on n'est pas contents. Hein. Attention, attention, hein. Ça déconne pas, hein. Bon bah et ça si du coup jamais c'est j'étais... fait. Alors ouais, faut... enfin, par le score qui est à zéro, mais je pense que ça changerait. Si jamais j'étais, enfin on verra plus tard, hein. J'étais libéré, je pense que j'entrerais dans les grandes puissances, puisque je suis en développement, je suis devant le Portugal, et quasiment devant le Danemark. Ah ouais. Alors je sais que ça suffit pas, mais et mon score, oh, malheureusement, je peux pas le savoir. Oh le Ming avec son 200 de malus là. Wow, ah quoi pif. Que, parce que le score, on le gagne de mois en mois en fait. C'est pas le score qui joue, hein, c'est le développement, hein, vraiment. Ouais, mais alors le score, t'es sûr que le score il joue pas? Bah non, parce que moi tu vois, j'ai 773 de niveau de développement, enfin de score là. Mais le score en haut à droite, j'ai fait à 1017. Ah ouais. Donc je sais pas exactement où est-ce qu'on voit notre niveau de développement. Ah non, ouais, le score de grande puissance, non, c'est un score de grande puissance, ok. C'est le niveau de développement divisé par le coût technologique. Et le niveau de développement, je sais même pas où on le voit en fait. Ça doit être apparaître quelque part. Là, oh, il peut-être. Doit apparaître. Non, ça c'est la portée coloniale. Je t'avouerai que j'en sais rien non plus en fait. Je vais toujours le voir là en fait, c'est peut-être con. J'ai tellement l'habitude d'être une grande puissance moi. Excusez-moi. Oui aussi. Ouais. Non, non bah mais ouais, je devrais rentrer dedans, je pense en fait. Et ben, on verra ça plus tard. Oh là là, mais je suis déjà à 900 points diplomatiques, putain, mais faut arrêter, quoi. Oh là là là, j'en gagne 12 par mois, quoi. J'ai plus quoi en foutre, j'ai même pris une politique pour ça, et... Et ça suffit pas. Et ça monte quand même, quoi. J'ai pris de la tech avec de l'avance, et je peux déjà quasiment prendre la deuxième à 110%, quoi. C'est un peu la fête. Bah, pour la peine, on va envoyer notre cher... comment il s'appelait ? Henri VII de Lancaster et ses 70 ans attaquer les nobles. C'est l'heure de montrer un peu à ces vilfaquins qu'on n'apprécie pas beaucoup les gens qui se soulèvent. Bon, j'étais peut-être un peu à la nique là quand même. Bon, ça passe. Destruction d'hôtel. Ah. Le Poitou se convertit à la foi anglicane. C'est pas celui que je convertissais. Non. Ah, c'est non, le troisième. C'est Saint-Onge, toi. Ah bah parfait. C'est le dernier. Ça me ferait tout le truc. Eh bah écoute, bon, je vais prendre de l'agitation locale, mais franchement, je m'en fous. C'est clair. Nous, on va aller se poser à La Havane avec notre petit colon là. 11 de développement, ah, c'est un truc. Expulser la minorité catholique. Oh, on peut expulser les catholiques. Dis donc. Mais non, on va envoyer un colon de base pour une fois. Putain, le moins 50% de chance de rébellion qui fait passer à moins 100% de chance les rébellions, c'est quand même ultra badass. Hein. Que du coup, les mecs, ils sont totalement sereins, quoi. Plus besoin de mettre de troupes, rien à la foutre. Les rebelles sont parvenus à leur fin, oh ouais, mais on va leur apprendre que c'est pas une bonne idée. Après, les nobles, ils sont vénères, hein. Quand on les attaque, ils se défendent bien. Hein. Ah bah ça... Allez, on consolide un coup. D'ailleurs, j'aurais même pu consolider. Ouais, non. J'ai même pas perdu assez de troupes pour que consolider soit intéressant. Allez. Vas-y, tout niveau 12 aussi avant de. Avant que la nouvelle. Hop. Institution arrive, ce qui va pas trop tarder. Je pense. Voilà, on diminue un petit peu notre troupe. On est passé à 68 sur 66, c'est pas mal. On va retourner à Chester. Et ici. Ok. Ici, on retourne à Londres.
Allez, c'est parti. Bon bah, Henri 7, bien géré, hein, s'en est tiré avec brio. On garde Norfolk dans sa tour. Ah, tiens, les fanatiques catholiques se sont libérés à Paris. T'es plus à Saint-Onge pour faire la conversion ? Bah si, normalement. Bah, ah plus, putain, non, j'ai plus qu'un seul missionnaire. Ah, ça devait être à cause d'une loi. Ah merde, ça s'est arrêté juste à la fin. Bon bah je reprends, c'est pas grave. Putain, c'est pas grave. Bah désolé, ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que c'était à 98%, je crois. Les billes ou un truc dans le genre. J'avoue que je l'ai pas du tout vu venir là pour le coup. Non, mais c'est pas grave. Voilà, défoncé. Merci, au revoir. Du coup, on est posé là. Ouais, on est posé là, c'est pas mal ça. C'est quoi cet état? On sait pas encore. Autriche influence Salzbourg. Ah oui, alors les Iroquois. Les Iroquois, mes amis Iroquois. Les gens outragés, hein, ils vont rester outragés deux secondes, ça va bien. Nos amis Iroquois, est-ce qu'on pourrait leur faire un don? Les influencer, comment ça se passe? Nanana, une amélioration de 25 son opinion pendant 10 ans, il va recevoir un avantage. Et on paye 28. Bon, go, hein, faisons ça. Nous avons perdu le casus belli colonialiste contre l'Espagne. Hein? Je vais prendre une aptitude. Ah, c'est la nouvelle Espagne maintenant, d'accord, ok. Y'a pas un truc justement pour. Pour? Bah, je regarde parce que comme j'ai l'air de la réforme, je peux prendre un truc dedans. Ah oui. Je regardais s'il y avait pas un truc pour ça, pour les religions, mais j'ai pas l'impression. Non, t'as le truc qui fait que... Ouais, prestige par développement grâce aux missionnaires. Ouais. Je pense que je vais prendre la puissance commerciale des navires, plus 20% en fait. Propagation des institutions dans les provinces de véritable foi, j'en ai vraiment pas assez, ça va me servir à rien. Les mercenaires, je m'en fous. Le coût en score de guerre contre les autres religions, bah je m'en fous. L'impact du blocus, je m'en fous. Et permet l'édit d'état religion imposée, résistance à la réforme, plus 90%, je m'en fous. Donc, on est d'accord. Voilà. Ça c'est fait. Et je suis 12 partout. Parfait. Alors est-ce qu'il n'y a pas des petites colonies qui voudraient se libérer là, par exemple le Brésil portugais là, non? On va peut-être commencer à améliorer un peu la Caraïbe, il y a peut-être moyen qu'elle lâche le Portugal. Alors il va pas aimer hein, je pense, mais... Ok, on a un casubili contre la Nouvelle-Espagne, pas de problème. Comment ça se passe notre petite colonie en train de coloniser Québec? Bonne idée, très très bonne idée. Mais allez, je viens de claquer 200 points là, et c'est de nouveau trop haut quoi. Sérieux. Tiens, bah, Lothian, t'es à 18, tu veux passer à 20, voilà. Sachant que ça me rapporte rien, puisque c'est ces putains de foutus relous de bourgeois qui l'ont. Mais comment on fait baisser l'influence de ces types là? Il doit y avoir moyen de faire. Il doit y avoir moyen quand même. Merde! Ouais, parce que j'imagine que là c'est positif là dans ces trucs là, tout ça c'est positif ça. Oh là là. Quel drame, mes bons amis. N'est-ce pas? En baissant. Ah, on perd du prestige, ouais. Je suis triste. Je les attendais pas là. Allez, 30 000, il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Les cités revendiquent leurs droits anciens. Les bourgeois perdent en loyauté, on perd de la stab. Non. Les bourgeois gagnent en loyauté et on perd des réformes gouvernementales ou on perd des points de mine. Oui, on perd des points de mine. Parce qu'on est équitable, on peut se permettre ça. J'aurais bien voulu un petit event pour cramer leur influence là. Hein? Calomnier les marchands en France, parce que c'est... voilà. Bien claquer des points. Brabant a rejoint la coalition contre nous. Ok. Ah mais j'ai un quatrième marchand du coup. Ah putain. Ok, Bah ouais, faut-il trouver quoi en faire? Ah ça.
Bon. Parce que là. Ah! Ça y est. Ah! Régence de la reine consort. Le Portugal qui nous redemande instantanément un mariage, j'ai même pas eu le temps de cliquer sur la pop-up quoi. Ouf, 006, hein, ça va changer un peu la donne des points là. Aïe, ça pique. Mais militairement ça va aller hein. Ah bah militairement on va rattraper le retard du coup, ça tombe bien, j'ai une doctrine à terminer donc. Par contre le reste tu repasseras. Ah ouais, le reste ça fait mal au fion. Ouais. Y'a pas d'autre mot hein. Bâtiment officiel, c'est quoi ce truc? Coup de gouvernance des états? Non, c'est naze. Bon, tout ça est naze. Bon, bah écoutez, voilà. Avancée navale, on dépense sans compter, on gagne des points. Mais non, mais arrêtez avec les points, bon allez, on gagne des points. Ah merde, on est plein! Ah! J'ai mal calculé. On peut faire du mercantilisme avec ça, je pense, là, non? Oui, oui, complètement. Allez, claquons du mercantilisme, encore un coup, c'est bon, hop, voilà. Bon, si quelqu'un sait comment baisser l'influence des bourgeois, s'il y a une astuce ou un bouton quelque part pour faire des trucs, n'hésitez pas à me le dire. Putain, il est nul notre conquistador quoi, il se perd, il se fait enlever ses chevaux, enfin, c'est n'importe quoi. Des flèches dans le cul. Non, c'était l'explorateur ça. Non, lui, ouais, là, bon, il a été sauvé par une princesse aussi, enfin... D'accord, pourquoi pas. Une vie de chien. Ah non, il s'est fait tuer son chien. On va leur écraser la face pour la peine. Notre petit chien. Tiens, on peut mettre 53 000 hommes ici, ça va peut-être passer, là, avec la manœuvre. Ah, dis donc, ça pète chez toi, la vache. T'as pas besoin d'aide, non? Ah bah, ouais. Tu fais un peu de neutralisation des rebelles, ou tu vas comme ça à la fraîche Non, je vais à la fraîche, je laisse péter. Je descends okay. Là l'autonomie dès que je peux. Moi j'aime bien faire éclater les rébellions et les... Oui, bon là ils ont été trop rapides, mais c'est pas grave. Allez, doublage en cuir, attrition maritime. Ah, ça y est, l'Espagne a absorbé l'Armagnac. Du coup j'ai une revendication contre eux. Ah, ils étaient vassals, je me fais gaffe. Ouais, ils étaient vassals, ouais. Ils étaient, bah ouais, écoute. Hein. Du coup l'Espagne est à la porte de la Normandie maintenant. Ah là là, c'est pas comme si, heureusement qu'on ne les titille pas dans des colonies, hein, parce qu'ils pourraient mal le prendre. Hein. On n'a pas un endroit où on peut mettre un peu plus de troupes que ça là. Non, ouais, ils ont 60 000 hommes, hein, quand tu vois que j'en ai déjà 40 000 alors que je suis bien plus petit qu'eux. Ils ont 56 000 de réserve, moi je peux monter à 48 000. Je fais presque arme égale. Hein. Bon, 90 bateaux je les ai pas, mais... Mais oui, mais acheter des médicaments les gars. Oh là là, vous êtes mauvais. Plus vite, fainéant. J'ai réussi une mission. J'ai réussi la mission construction. Au moins 5 églises, au moins 5 ateliers. Putain, je l'ai même pas vu. 50 points administratifs, voilà. Et pendant 10 ans, revenus fiscaux annuels plus 10 pièces d'or. Ah bah, ouais. C'est propre. Maintenant, faut que j'économise et que je monte à 2000. Ah. Ah oui. Après, il faut avoir au moins 20 manufactures. Oh, déjà, faut avoir 20 provinces. ouais, déjà, ouais. Et puis, non, mais ça file. Ouais, ça file 1000 ducats quand même. Hein. Ah ouais, oui, alors, mais bon... en fait. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait des pirates. Ils sont où les pirates là? Tu les vois, il y en a deux du Danemark qui se baladent sur tes côtes. Ouais, mais je les vois pas dans le. Tu sais, quand t'affiches les trucs de marchands là. Je pense qu'ils sont tellement faibles qu'ils servent à rien en fait. Ça paraissent même pas. Il y a deux bateaux. Tant pis pour eux. Autant dire. Allez, on va refaire un explorateur maintenant qu'on a notre attrition maritime moins 25% et on va retenter le tour du monde. On y était presque, on était rendu là quand même, c'est pas mal. Bon, presque, on a fait la moitié du chemin quoi. Ouais. Presque. Presque. On peut voir où il fait sa course ? Pas. Putain, arrête d'avancer, putain de bateau, t'es où ? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, on sait pas, il arrivera à Dogger Bank. Bon, ben, pas ce qu'il fait. Visiblement de la merde, mais... Qui sommes-nous pour juger des actions du Danois, hein, j'ai envie de dire.
4 colons, ça fait plaise quand même. Faut avouer. Bon, est-ce que je pourrais pas claquer un explorateur avec vous là? On pouvait faire ça avant. Pire des choses, vous me lâchez la grappe. Non? Non, vous voulez pas. D'accord, en fait, j'avais eu un marchand et en fait, je l'ai plus. Je sais pas pourquoi, mais. Ok, bah écoute, on s'en fout. Ah. Oui, je l'ai plus. Oh! La presse imprimée. Alors. Paris gagne 25. Ok. C'est Paris qui a la presse imprimée? Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Institution. Mais non. J'ai déjà 25 de bonus dessus. C'est apparu à Lunenburg, qui est protestant, effectivement. Oui, il me semblait bien qu'il fallait être en Allemagne ou un truc du genre. Bon, après, ça monte partout. Hein. Capitale européenne d'un niveau de développement de 20, ok. Capitale d'un pays qui découvre la 15e technologie. Oh, pff, ouais. Ah, et chaque province protestante, anglicane ou réformée rapporte. Ça, c'est pas mal. Mais, globalement, c'est comme d'hab, hein, c'est les provinces voisines qui rapportent le plus, quoi. Ah bah oui, de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de booster un peu, là. Ah non, mais on a un bon boost, on n'appartient pas à une compagnie commerciale et la religion officielle du pays est protestantisme, anglicanisme ou réforme, plus 0,16 déjà. Ouais, puis moi j'ai le petit truc, j'ai pris du coup la propagation dans les provinces de la vraie foi, là. Du coup ça... Ah ouais. Ça booste un petit peu aussi. Du coup on va poser les édits qui vont bien. Hop, voilà. Bon, ici on prend un peu d'attrition de temps en temps. Alors maintenant faut que je prenne une autre région pour convertir. Quand c'est l'hiver en fait, ouais c'est ça, quand c'est l'hiver on prend. On va prendre un mec. On va le mettre ici. On va l'envoyer là-bas. Et on va prendre bah, soit le Berry, soit... Ouais le Berry c'est pas mal. N'oublie pas d'enlever ton Eddy. Ouais de... tu l'as fait, c'est bon. Ça y est c'est fait, ouais je l'ai enlevé. Hop. Une tribu Micmac adopte la culture anglaise. Parfait. Allez les gars, c'est on bien. Va à Londres. Moi je gagne des points, c'est bien. Doctrine économique. Bon, on va le prendre, même si elle est pas terrible, mais. Normalement, on a combien de commandants? 2 sur 3. On peut donc se permettre de prendre un explorateur. Ça va nous claquer un petit peu de points. Ouh, il est pas mal en plus. Allez, fais le tour du monde, mec. La femme parmi nous. Ouais, on l'embauche, ouais. Pas de problème. Franchement, aucun souci avoir une femme parmi nous. Bon, par contre, elle coûtait un peu cher, hein, pas dire le contraire. Mais... Et on a une colonie autosuffisante. Parfait, c'est où? C'est là. Alors, est-ce qu'on continue de faire chier la Nouvelle-Espagne? Bah ouais. On va expulser les Wallons. On va faire une Mississippi, un New Mississippi Wallonais. Ce serait classe. Et pourquoi pas? Un ingénieur italien est disponible. Non. Pas besoin. Et pourquoi pas? Bah pourquoi pas, parce que ça coûte 200 balles, déjà. Ah oui, bah non, alors oui. Alors moi je veux bien embaucher des femmes à 200 balles, mais un ingénieur italien, non merci quoi. Bah moi j'en ai eu un, je suis content du coup, j'ai eu un... Une, maître instructeur niveau 3, à 50%, donc du coup elle me coûte que 6,22 en mensuel, ah ouais. Ça c'est bien. C'est propre. Ça c'est cool. Ah c'est comme du la coup, mienne, j'ai... non? Ah non, c'était qu'une plus 2 moi. Ouais, bah d'habitude moi c'est plus 1 ou plus 2, là c'est pour une première fois, je crois que c'est une des premières fois que j'ai une plus 3, donc on en profite. Bah tu peux. On prend déjà de l'attrition, sérieux? Mais vous avez à peine traversé... Bon ok, vous êtes déjà un peu loin, mais... Ok, donc non, les caravels ça ne marche pas du coup. Ils vont couler lamentablement. Un navire perdu en mer, oh non, c'est triste. Oh, je suis tellement déception. Je suis tellement déception, les gens. Vous allez couler. Bon bah, rip.
Bon, j'ai fait des chantiers navals dans toutes mes provinces côtières, donc bah, je peux pas en faire d'autres. Il y avait pas un truc qui disait qu'il fallait 20 bateaux pour faire améliorer le commerce, au-delà il y avait un truc qui était de la perte ou je sais pas quoi. Ah bon? Je me souviens plus, il me semble me souvenir que c'était 20 le chiffre optimal, mais je me souviens absolument plus pourquoi. Eh bah bonne question. J'ai rempli une mission domination mondiale. Oh bah c'est cool. Je domine le commerce dans la Manche. Oui c'est parce ah que non, j'ai je arrêté. L'ai plus. C'est parce ah, que j'ai arrêté plus. Mes bateaux. Eh bah par contre si tu veux le refaire une seconde pour que je puisse valider mon truc, attends, c'est pas mal. Je retrouve mes bateaux. Ça me fait gagner 30 de prestige quand même. Ah ils me ont. Me disais. On a perdu les bourgeois perdent un petit peu d'influence là. Tiens. C'est bon parfait. Attends je l'ai. C'est bon tu peux. Merci beaucoup. Ah non, mais hop je me disais, wow, c'est trop bien, n'empêche, mine de rien. Bah ouais, j'avoue. Voilà. Faut... Pendant quelques secondes, je me disais aussi... Qu'est-ce qui se passe? Je sais que je suis pas mal quand même, je suis à 472 pour 503, hein. Finalement, il n'y a pas une énorme différence maintenant, on se le partage bien. Hein. Ah bah je pense que là, ouais, on est plutôt bien. Hein. On est presque à 50-50, pas tout à fait, mais t'es à 38, je suis à 36... Les autres derrière, je peux te dire qu'ils ramassent les pots cassés. Hein. Ils ramassent les trucs qu'on balance de temps en temps par-dessus bord. Ils pêchent nos. C'est ça. Cargaisons ouais. qu'on jette. Nos bateaux, ils sont pleins à craquer. Alors attends, c'est maintenant notre roi qui gère le pays, mais on a un prétendant qui va soulever un Camarsen. Où est-ce que c'est? Ah oui, à gauche, en Pays de Galles. Tu as une rébellion de 22 000. Bon, on va se poser sur le fort avec nos 54 000 hommes. Ça va le calmer. Ouais, tu vas leur montrer comment ça marche. J'ai un marchand qui glande. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai rappelé là, je voulais pas le rappeler. Bah non, je l'ai pas rappelé. J'ai foutu. Une facture, hein, parce que pourquoi là, pas. Là, il bosse, là, il bosse. Ouais, quel est le fuck? Ici peut-être? Golfe du Saint-Laurent, ouais non si c'est là. Bah ok, ça se trouve j'ai un marchand qui glande depuis très longtemps, je n'avais pas fait attention. Excusez-moi. J'ai aussi un colon qui glande et ça c'est pire. C'était le colon qui s'occupait de ça, non? Ouais, c'est le colon qui s'occupait de ça. Alors maintenant qu'on a posé un truc là, on pourrait genre aller là? Non, ça s'est pas terminé ça. Non, ça... oh putain, dans zéro jour quoi. Bah, du coup c'était quoi que j'ai terminé hein? C'est pas ça quand même, non? C'est ça? Ah c'est ça. Bon allez hop, on finit les Caraïbes. Ça on fait bien chier jusqu'au bout le Portugal. On va prendre un peu d'attrition là, c'est pas grave. Ok, une nouvelle. Quoi pas. Oh non, notre roi est désinvolte. Putain. Très bien! Non. Mec, quoi. Donc, on a de nouveau un colon qui glande, et maintenant, je pense qu'on peut rebondir. Voilà, à Maï. C'est très bien ça, Maï. Non, Maï. Mon héritier qui est large d'esprit, mais je m'en fous. C'est de la merde. Plus fertile en Guinée. Parfait. Bah, écoute, tu préférais qu'il soit désinvolte, peut-être? Non, okay. Mais bon, bah, s'il te plaît, il est déjà grotesque. Oh, le commandant qui mais meurt, mais deux minutes avant que le mec m'attombe dessus, quoi. Mon commandant vient de mourir, en même temps que le tien. Ah, enfin, il est pas mort au moment où tes rebelles t'attaquaient, quoi. Oui, bon, ça va. Certes. Ici, un entraînement, d'ailleurs. On va accroître la modernisation. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à convertir? Toute l'Irlande, hein. Peut-être s'attaquer un peu à l'Irlande. Ça sera pas mal, tiens, allez hop, on va les convertir ici. Hop. Le Kildare, on va commencer par lui. Boum. Perd des sous à cause de ces cons, là. J'ai un colon qui glande de nouveau. Oh là 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 là. Non, ici c'est en train de se déconvertir. Retournez à Londres, les gars. On pouvait investir dans une technologie et on gagnerait de l'innovation. Non, absolument pas. On ne va certainement pas faire ça. Alors, il nous faut un général. Oui, un général. Ah, oh, mais putain, les pop
pop qui pop devant des pop-up. Au secours, quoi. Des marchands locaux demandent du secours, c'est où? À Calais. Ils ont bien assez d'argent. Oui, on va leur claquer un peu de thunes, pas de problème. Et notre colon, notre colon, il va aller s'occuper des îles Bourbon. Hop, en avant. Killua, il est bien vénère, hein. D'ailleurs, je vais pas enlever la pause parce que du coup, on va s'arrêter là et la Russie a été formée, j'avais pas vu. Ah oui, oula, ça pourrait être un allié de choix, ça. Ouais, effectivement. Bon, ils nous aiment pas pour l'instant, mais on a un mec qui fout rien, donc on va tout de suite envoyer quelqu'un s'en occuper. Parce cela que je pense étant... que l'Autriche serait un pays intéressant à attaquer. Enfin, je pense. Il y a un moment, ouais, ça va devenir effectivement une nécessité, je pense. Presque plus lui que l'Espagne, parce que si la Russie était notre allié, l'Espagne aussi, ça pourrait le prendre un peu en sandwich. Et ouais, je préfère attaquer l'Autriche que l'Espagne au choix. Mais bon, on n'en est pas là. J'en prends note, mon cher vassal. Voilà, et avec plaisir. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce petit épisode où ça avance tranquillement. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, bah tant pis, ça vous plaira peut-être mieux la prochaine fois. Et puis, bah, on vous dit une très bonne soirée, et puis à bientôt, merci. Merci à toutes et à tous.